Amen. Voilà, gloire, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour le premier culte du mois de du premier culte du mois de mai. Nous sommes le 1er mai 2020 et nous bénissons le Seigneur parce que absolument rien ne pourra et ne peut nous empêcher d'honorer nos engagements vis-à-vis de Dieu. Nous avions institué que nous devions tous les premiers jours de chaque mois rendre de multiples actions de grâce à Dieu notre Père. Et nous bénissons vraiment le Seigneur et l'aide du Saint-Esprit parce qu'il nous permet, malgré le confinement, que nous puissions nous retrouver et bénir Dieu pour le premier jour du mois de mai. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Alors pourquoi il est important, pourquoi il est important de pouvoir prendre le temps à chaque début de mois de pouvoir bénir Dieu et rendre grâce à Dieu? Pourquoi c'est important? Il est nécessaire de pouvoir toujours le rappeler rapidement. La Bible dit, le pasteur Rosy l'a dit tout à l'heure, en Ésaïe 66, verset 23, Ésaïe 66, verset 23, très bien. La Bible dit, à chaque début de mois, à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Tout être vivant viendra se prosterner devant moi. La version Bible français courant dit, ainsi de mois en mois et de sabbat en sabbat, tout le monde viendra s'incliner devant moi, dit le Seigneur. Ce verset nous rappelle que notre Dieu est un Dieu exigeant et nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre Dieu est un Dieu exigeant. Notre Seigneur exige le respect et la révérence qui lui revient. Nous lui devons respect, nous lui devons révérence. C'est ce que Dieu nous exige. Et pour des personnes qui, et les enfants de Dieu, qui veulent marcher dans l'obéissance de Dieu, nous devons nous soumettre à ce que Dieu dit. En fait, ignorer l'existence du Dieu créateur, c'est créer un dysfonctionnement non seulement dans notre vie, mais également dans notre quotidien. Donc, si vous voyez qu'il y a énormément de dysfonctionnements autour de nous, ces dysfonctionnements sont en général dus au fait que nous ne faisons pas ce que Dieu nous exige de faire. La Bible dit, reconnaissez, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu et que c'est moi qui règne sur la terre et c'est moi qui règne sur l'univers. Ça signifie qu'à un moment donné, Pasteur Victoire l'a dit, à un moment donné, il faut s'arrêter et reconnaître que nous sommes des créatures. Et que si nous sommes des créatures, c'est que nous avons un créateur. Et c'est une grâce, c'est un privilège pour nous tous de savoir que nous avons un Dieu créateur. Et le fait de le savoir, et également le fait de venir tous les premiers, comme le dit la parole, venir lui rendre gloire, venir lui dire merci pour tout ce qui a été et merci pour tout ce qui sera, je suis convaincu que cela touche le cœur de Dieu d'une manière favorable. Donc, je bénis vraiment l'obéissance de tout un chacun. Je bénis le sacrifice de tout un chacun parce que je sais que ce n'est pas un sacrifice qui est vain. Ce n'est pas un sacrifice qui est vain. Dans le psaume 115, verset 15, la Bible dit « Soyez bénis par l'Éternel, c'est ce qui a fait le ciel et la terre. » Donc, je confesse que vous êtes bénis de l'Éternel parce que vous avez pris le temps de vous arrêter et de reconnaître que Dieu est notre Dieu et que c'est lui qui domine sur toute la terre. Que quelqu'un me dise encore « Amen » trois fois où vous êtes. Alors, nous voici déjà au cinquième mois de l'année 2020. Et ça signifie que nous avons déjà parcouru un tiers de l'année 2020. Waouh. Et donc, nous rentrons dans le deuxième tiers de l'année 2020. Et il y a énormément de choses qui se sont déjà passées en 4 mois. Pasteur Victoire l'a dit, Pasteur Joël également l'a dit. Le fait que nous soyons tous là, le fait que nous soyons tous connectés, c'est juste simplement la grâce incommensurable de Dieu. C'est vraiment une faveur extraordinaire que Dieu nous a faite. Nous sommes actuellement dans une ère
transitoire. Nous sommes dans une ère transitoire. Pourquoi je dis dans une ère transitoire? Parce que le Seigneur nous permet de percevoir tout ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel au travers ce que nous sommes en train de constater dans le monde actuel. C'est-à-dire que le monde entier, nous sommes en train de constater de nos yeux, hein, de nos yeux naturels, que quelque chose est en train de se passer dans le monde entier. Et avec la sagesse de Dieu, si vraiment nous avons un minimum de sagesse, ça signifie que des choses sont en train de se préparer dans le monde spirituel. Parce que le monde, après ce confinement, ne sera plus le même qu'avant le confinement. Les habitudes vont changer. Les modes de vie vont changer. Et vous êtes en train, si vous suivez juste un petit peu les informations, vous vous rendez compte que la vie même après le confinement, après le déconfinement, ne sera plus pareil. La vie de nos enfants à l'école, ça ne sera plus pareil. En fait, on ne pourra pas effacer ce qui s'est passé en l'espace de 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas combien de temps ça durera. Et Dieu est en train de nous envoyer un message à nous qui avons l'intelligence spirituelle, à nous qui avons la grâce de connaître le Dieu créateur qui fait toutes choses pour un but. Je vais relire un verset que je vous ai déjà donné plusieurs fois lors des précédents messages. Dans Luc 21, verset 9, et ensuite je lirai le verset 11, dans la version second 21, Luc 21, verset 9 et verset 11, la Bible dit « Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. » Il faut que ces choses arrivent d'abord. « Cependant, ça ne sera pas encore la fin. » Le verset 11 dit « Il y aura des grands tremblements de terre dans divers endroits, ainsi que des pestes, des épidémies, des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. » Voilà, la Bible est en train de nous dire ici que quand vous allez voir ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, nous ne sommes pas dans une fiction, nous sommes en train de vivre une réalité. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et nous sommes en train de toucher cela avec nos propres mains et nous sommes en train de voir ça avec nos propres yeux. La Bible dit « Quand vous verrez ces choses », je continue dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, la Bible dit « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. » 1 Corinthiens 10, verset 11. « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Qu'est-ce que ça signifie quand nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre? Ça signifie que l'avion dans lequel nous sommes a amorcé, l'avion de l'humanité, a amorcé son entrée dans l'ère de la fin des temps. Ça y est, ça signifie que nous sommes rentrés dans l'ère, la période, la saison de la fin des temps. La Bible dit « à nous qui sommes parvenus à la fin des temps ». Donc, tous ces événements que nous sommes en train de vivre et de voir est un signal que Dieu, notre Père, est en train de nous envoyer en disant « Attention les enfants, vous êtes rentrés dans l'ère, dans la période, dans la saison de la fin des temps. » De la fin des temps. Donc, Dieu ne nous demande pas de nous inquiéter. Non, Dieu ne nous demande pas de nous inquiéter. Dieu nous donne toujours les moyens de pouvoir passer les temps qui doivent arriver. Ces instants doivent arriver. Ces temps doivent arriver. Et Dieu, dans son amour, nous prévient toujours de ce qui doit arriver. Parce que la Bible nous dit qu'il ne peut, Dieu ne peut cacher à ses enfants ce qui doit arriver. Dieu ne nous a pas appelés. Dieu ne nous a pas choisis pour nous voir périr. Non, Dieu nous a choisis. Dieu nous a établis pour que nous puissions, pour que la vie éternelle que Dieu nous a donnée, nous puissions gagner cette vie sur cette terre et partir vers lui avec cette vie. La vie éternelle que Dieu nous donne, c'est une vie éternelle qui se vit maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, et c'est cette vie éternelle qui nous permettra de partir quand Jésus viendra nous chercher. Donc, Dieu ne nous demande pas de nous inquiéter, non. Dieu nous demande de faire ce qu'il attend de nous en fonction des temps et des saisons dans lesquels nous sommes en train d'arriver. Donc, nous sommes rentrés
dans l'ère de la fin des temps. Donc, il ne faut absolument pas avoir peur, à condition que nous puissions faire ce que Dieu attend de nous en cette période et en ces temps. Que quelqu'un me dise Amen si vous êtes bien en train de me suivre. Alléluia. Dites-moi encore Amen si vous êtes en train de me suivre. Alors, en début de mois, si vous vous rappelez, nous avons eu 12 jours de jeûne et de prière. Et pendant les 12 jours de jeûne et de prière, parce que nous avions, le Saint-Esprit nous a conduit de confier les 12 jours de mois, 12 jours de prière, et chaque jour de prière correspondait à ce que Dieu voulait que nous puissions faire pendant le mois correspondant, donc le premier jour de prière pour le mois de janvier, le deuxième jour de prière pour le mois de février, ainsi de suite. Et pendant les 12 jours de jeûne et prière du mois de janvier, le Seigneur nous a donné une orientation claire pour chaque mois. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Donc notre but et notre rôle plutôt est de nous soumettre à l'orientation que Dieu nous a donnée pour chaque mois. Alors qu'est-ce que Dieu nous a donné pour le mois de mai? Alors Dieu nous a donné la parole de Apocalypse 3, verset 7. Et c'est cette parole qui va nous accompagner durant tout le mois de mai. Et si nous nous soumettons à cette parole, nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Donc la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 7, la Bible dit « Voici ce que dit le Saint, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Apocalypse 3, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. N'ouvrira. Et il faut bien comprendre une chose. Chaque fois que Dieu donne une instruction, le diable va toujours tester cette instruction. Chaque fois que Dieu nous donne une orientation, cette orientation sera toujours testée. Donc ne vous inquiétez pas, elle sera toujours testée. Et donc quand Dieu nous donne une orientation, la clé de David, qui était la dimension du tout est possible, ça signifie que le diable va venir et tester la parole que Dieu nous a donner. Amen. Amen. Voilà. Il va tester la parole que Dieu nous a donnée. Mais ne vous inquiétez pas, parce que nous sommes toujours vainqueurs par Christ qui nous a fortifiés. Alors, dans la clé de David, c'est quoi la clé de David rapidement? Juste c'est quoi la clé de David, même si nous serons enseignés dessus durant le mois de mai. Je vous donne juste quelques éléments. Pourquoi la clé de David? Alors, une clé, c'est quoi? Une clé sert à ouvrir et à fermer. Ça signifie que celui qui a les clés devient le maître de ce que cette clé peut ouvrir. Si vous avez les clés d'une maison, ben vous êtes le maître de la maison. Si vous avez les clés d'une voiture, vous êtes le maître de la voiture. Si vous avez les clés d'un coffre-fort, vous êtes le maître de ce que contient le coffre-fort. Donc la clé est un signe distinctif d'autorité. La clé est un signe distinctif de puissance. La clé est un signe distinctif de règne. Et la clé est un signe distinctif de pouvoir. Donc la clé donne l'autorité, la distinction, la puissance, le règne et le pouvoir. C'est très important. La clé est distinctive de puissance, d'autorité, de règne et de pouvoir. Et Dieu nous dit en ce mois de mai, je vous donne la clé de David. Une clé qui, quand vous ouvrez, personne ne pourra fermer. Et si vous fermez, personne ne pourra ouvrir. Donc Dieu est en train de nous donner aujourd'hui une clé puissante pour que le mois de mai soit entre nos mains. Que le mois de mai soit entre nos mains. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons préparer progressivement l'après-confinement. La période dans laquelle nous vivons actuellement, le fait que nous soyons confinés, est un moment très dur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de personnes qui ont manque à manger, manque de soins, donc c'est déjà pas évident. Mais il y aura aussi un combat pour l'après-confinement. Ça veut dire que l'après-confinement doit aussi être préparé. Parce que l'après-confinement peut aussi amener beaucoup de troubles, peut aussi emmener beaucoup de soulèvements. Et quand Dieu nous donne les clés, c'est pour que nous puissions, par la prière, fermer la porte que l'ennemi pourra semer
dans le cœur des uns et des autres pour pouvoir disperser. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que pendant toute la période de confinement, pendant que les églises étaient fermées, les agents de Satan, eux, leurs églises n'ont pas été fermées. Pendant que les églises ne pouvaient pas être ouvertes, pendant que nous ne pouvions pas nous rassembler, les agents de Satan, eux, ont profité de ce moment-là pour prendre de l'avance sur l'église de Dieu et prendre de l'avance sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi je pense que vous avez pu constater que beaucoup de nos frères et de nos sœurs se sont ressentis refroidis, se sont ressentis découragés, se sont sentis abattus, se sont sentis assoupis. Tout ça, ce sont des techniques que le diable a utilisées pour assoupir les enfants de Dieu. Donc, Dieu est en train de nous dire ici que pendant le mois de mai, pendant que nous devons préparer le déconfinement, nous devons activer ce qu'on appelle la clé de David. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi la clé de David? Concrètement, qu'est-ce que c'est la clé de David? Nous allons aller dans 1 Chronique 16, versets 39 à 40, pour vous expliquer un petit peu comment Dieu a obtenu une clé que la Bible appelle la clé de David. Dans 1 Chronique 16, versets 39 à 40, la Bible dit que David établit le sacrificateur Tsadok et le sacrificateur et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent, écoutez bien, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel imposée par l'Éternel à Israël. Qu'est-ce que David a fait? David a élevé un autel. David a élevé un autel. Quel type d'autel? David a élevé un autel d'adoration. David a élevé un autel de prière. David a élevé un autel d'action de grâce. Matin comme soir, David a élevé 24 heures sur 24, mais tous les jours, David a élevé un autel d'adoration à Dieu, un autel de prière à Dieu, un autel d'action de grâce à Dieu. Il l'a fait sans relâche. C'est de là où est sortie plus tard la clé de David. Ça signifie que David faisait monter vers Dieu tout le temps, des sacrifices d'adoration, des sacrifices de prière, des sacrifices d'action de grâce. Ces sacrifices-là sont devenus un autel. Alors Dieu est en train de nous dire ici que pendant le mois de mai, nous devons, dans chaque maison, élever un autel d'adoration, élever un autel de prière, élever un autel d'action de grâce. Ça ne sera pas simple. Pourquoi? Parce que vous devrez le faire en pleine conscience. Ça signifie que chacun doit avoir en conscience qu'il doit créer ça dans sa maison. Personne ne sera là pour te surveiller, pour savoir si tu le fais ou pas. Ton frère ou ta sœur ne seront pas là pour savoir si tu le fais ou pas. Ce n'est pas une question de c'est pas corridor. Corridor, ça sera toujours du jeudi à vendredi par la grâce de Dieu. Mais ça ne sera pas une chaîne de prière. Non, c'est que chaque maison maintenant doit avoir un autel. Chaque maison doit avoir un autel. Chaque maison doit avoir un autel. Ce n'est pas une chaîne de prière. Non, ce n'est pas une question de chaîne de prière. Ça signifie que nos consciences doivent être pures devant Dieu. Nos consciences doivent être vraies devant Dieu. Ça signifie que tu ne te donnes pas le choix de faire autrement. On n'a pas besoin de te surveiller pour ça. Tu dois faire un autel de prière dans ta maison. Chaque maison doit devenir une église. Chaque maison doit devenir un feu. Chaque maison. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire pendant les 31 jours du mois de mai. Chaque maison doit devenir un feu. Le matin,
le soir. Ceux qui peuvent le faire aussi à midi. Mais chaque maison doit devenir une église. Et une église, dans une église, doit y avoir un autel. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet autel? L'adoration. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet autel? La prière. Qu'est-ce qu'il doit y avoir sur cet autel? L'action de grâce. Matin et soir au minimum. Chaque maison doit devenir un feu. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Parce que le mois de mai, ce mois de déconfinement, peut être désillusoire pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens pensent que bon, quand on va sortir du confinement, ça y est, tout va repartir comme avant. Non, ça ne sera pas comme avant. Nous sommes rentrés dans l'ère de la fin. La priorité pour nous, c'est que chacune de nos maisons doit être blindée. Chaque maison doit être blindée. Il doit y avoir le feu dans chaque maison. Rien ne sera plus comme avant. Et donc, ta maison doit devenir une maison de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et le Saint-Esprit se tient prêt pour nous aider, à condition que nous ayons de la bonne volonté. Je sais que ce n'est pas simple, parce que des fois, on a besoin d'être motivé. Des fois, on a besoin également d'être dans des chaînes de prière, parce que quand on est dans des chaînes de prière, on peut se motiver. Là, ce n'est plus une question de se motiver. Ce n'est plus une question d'être dans une chaîne de prière. Chacun doit prendre sa responsabilité pour qu'un feu soit dans nos maisons. Un feu doit être dans nos maisons. Si demain, on ne sait pas, on n'en sait rien, mais si demain, Internet coupe, comment on va faire pour se connecter? Admettons que demain, Internet coupe, que nous n'ayons plus Internet, que nous n'ayons plus les téléphones, comment on va faire? Si on est complètement coupé, comment on va faire? Donc, si nous prenons l'habitude, à partir d'aujourd'hui, que nous prenons conscience avec l'aide du Saint-Esprit, que nos maisons deviennent des autels matin et soir. Alors même si on est coupé de toute forme de communication, nous serons toujours en connexion par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'expérimenter le Dieu en nous et nous allons aussi expérimenter le Dieu avec nous. Je sais que vous serez en prière parce que mon esprit me dira que vous êtes en prière. Qu'on s'appelle pas. Que nous soyons sur WhatsApp, qu'on soit pas sur WhatsApp. Qu'on soit sur Zoom, qu'on soit pas sur Zoom. À partir du moment où nous avons pris la résolution avec l'aide de Dieu de faire du mois de mai un autel de prière, le Saint-Esprit va nous aider dans cette instruction-là. Et l'Église ne ressortira que plus fort au nom de Jésus, j'en suis convaincu. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 30, verset 18. La Bible dit, je finis avec, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes encore dans le temps de grâce. Ça signifie que le diable ne peut pas nous détruire totalement. Ce n'est pas possible. Le temps de grâce est toujours là. Toujours là. Mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, bénéficions de ce temps de grâce. L'Esprit de grâce, le Saint-Esprit est prêt à nous aider. Le Saint-Esprit est prêt à nous soutenir. Le Saint-Esprit est prêt à reprendre sa place. Le pasteur ne peut pas être avec vous. C'est impossible. Mais le Saint-Esprit sera toujours là. Le Saint-Esprit est en train de nous dire ici que la seule personne indispensable, c'est lui. Ce n'est ni un pasteur, ni même quatre murs d'église. Non, c'est lui. C'est seulement le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, il désire nous faire grâce. Et je crois que durant le mois de mai, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et je suis sûr que nous allons expérimenter la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que Dieu attend de chacun d'entre nous de manière individuelle et également de manière corporative. Je n'ai plus d'exhortation à vous donner que vous ne sachiez déjà. Tout le monde sait ce que Dieu attend de nous de manière individuelle et tout le monde sait ce que Dieu attend de nous de manière corporative. Je vais donner 10 points, mais vous le savez déjà. Je veux juste résumer, mais vous le savez déjà. Ce que Dieu attend de nous de manière individuelle et de manière corporative. Je vais juste rappeler les points. J'en ai pris 10 pour que ce soit facilement
qu'on puisse s'en rappeler facilement. La première chose, c'est que nous devons mettons-nous en règle avec Dieu. Vous le savez déjà, mais c'est toujours une bonne chose de pouvoir se le rappeler. Mettons-nous en règle avec Dieu. C'est la première chose. C'est ce que Dieu attend de nous de manière individuelle et corporative. Mettons-nous en règle avec Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, soutenons-nous les uns les autres. Vous le savez aussi, mais c'est toujours bien de le rappeler. Vous le savez également, mais je le rappelle quand même. Soutenons-nous les uns les autres. Je nous en supplie. On n'a pas besoin de nous exhorter encore dessus. Mais continuons, soutenons-nous les uns les autres. La troisième chose, prêchons le salut autant que possible. Prêchons le salut autant que possible. Continuons à prêcher aux autres le salut. Parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver aux autres. Que nous puissions sauver les autres. Donc, prêchons le salut autant que possible. C'est la troisième chose. Ensuite, prenons soin des âmes du Seigneur avec le peu que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'avoir des millions pour nous occuper de notre voisin. Je vous en supplie. Nous n'avons pas besoin de ça. Si tu as un peu avec le peu, tu peux partager avec le peu que tu as. Donc, prenons soin des âmes du Seigneur avec le peu que nous avons. Si on doit les appeler, on les appelle. Si on doit leur donner à manger, on leur donne à manger. Si on doit les dépanner pour un médicament, on les dépanne pour un médicament. La cinquième chose, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. C'est important, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Que vous le demandiez, qu'on le demande ou qu'on l'exhorte ou pas, faisons-le. Chaque fois qu'une pensée monte dans votre cœur, priez pour cette personne. Sixième chose, prions pour la ville et les autorités de la ville où Dieu nous a établis. C'est ce que Dieu nous demande de faire parce que la Bible dit que notre bonheur en dépend. Prions pour la ville et les autorités de la ville où Dieu nous a établis. Nous ne pouvons pas juste prier pour nos maisons, nous ne pouvons pas prier juste pour nos foyers sans prier pour les personnes, les autorités que Dieu nous a établies ou la ville où Dieu nous a établis. Nous ne pouvons pas. Ensuite, prions pour le corps de Christ et pour que nos églises deviennent plus fortes. Prions pour le corps de Christ et que nos églises deviennent plus fortes. Parce que la vérité, c'est que nous nous sommes rendus compte que nos églises sont trop faibles. Et nous prions vraiment que le corps de Christ, prions que le corps de Christ et que nos églises deviennent plus fortes. Prions que le corps de Christ et nos églises deviennent plus fortes. Ensuite, évitons de nous inquiéter. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Quand nous nous inquiétons, nous annulons l'action de Dieu, nous paralysons Dieu. Donc, évitons de nous inquiéter, évitons de nous inquiéter, évitons de nous inquiéter. Ensuite, évitons de nous plaindre. Dieu hait les plaintes, Dieu hait les critiques. Dieu vomit les critiques et les plaintes, évitons de nous plaindre, les plaintes, les querelles. Faut éviter ça, je nous en supplie. Et arrêtons de critiquer, arrêtons de nous plaindre de tout et de rien. Arrêtons. Donc le neuvième point, c'est vraiment évitons de nous plaindre au maximum. Évitons de nous plaindre. Et le dixième point, c'est bénissons Dieu et rendons-lui grâce en tout et pour tout. Bénissons Dieu et rendons-lui grâce en tout et pour tout. Vous voyez, ce sont 10 points. Ce n'est pas 10 révélations. Ce sont des points que nous connaissons tous. Mais je trouve qu'il était bon pour nous de pouvoir juste nous rafraîchir par rapport à ça. Et je crois que si nous le faisons, je suis sûr que nous ressortirons vraiment vainqueurs de cette saison-là. Dieu, nous avons un Dieu qui nous aime, nous avons un Dieu qui est fidèle. Il ne nous a jamais déçus et ne nous décevra jamais. Je prie que si Jésus doit venir, nous soyons tous enlevés, nous tous. Je prie que personne ne reste dans le nom puissant de Jésus. Et si Jésus ne revient pas avant la fin de notre mission terrestre, alors je prie que nous puissions continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement selon Philippiens 2, verset 12. La Bible dit,
comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En Philippiens 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voilà ce que je tenais vraiment à partager à nous tous en ce merveilleux mois de mai qui nous attend. C'est un excellent mois où nous allons montrer à Dieu que nous l'aimons lui et que nous n'avons pas forcément besoin d'être motivés pour élever cet autel de prière dans nos maisons. Je crois vraiment que quelque chose va arriver. L'ennemi est en train de préparer des mauvais coups. Je crois que parce que nous allons élever des autels de feu, de prière et d'action de grâce dans chaque foyer, le diable ne pourra pas accomplir ce qu'il a préparé pour la ville de Pointe-Noire. La Bible dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je suis convaincu que nous allons tous y arriver par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Je vais prier pour ces moments. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour le message que tu nous as donné pour ce mois de mai, pour cette orientation que tu as donnée à ton Église. Seigneur, je sais par ta grâce que tu sauras faire écho à toutes les âmes qui n'ont pas pu entendre, écouter ou se connecter dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce, la force, la volonté, la capacité de faire ce que tu attends de nous. Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, c'est impossible. Nous ne pouvons pas accomplir ta volonté sans la capacité de ton esprit. Alors nous nous soumettons, Seigneur, totalement à ta volonté. Nous nous inclinons complètement à ta volonté et nous prions que ton esprit prenne le relais et glorifie le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous combattons dans la victoire. Cette victoire qui a été acquise à la croix de Golgotha par Jésus le Christ. Seigneur, par le sang de Jésus, ce sang que nous invoquons sur nos foyers, que nous invoquons sur nos familles, que nous invoquons sur nos enfants, que nous invoquons sur toutes nos activités. Seigneur, nous prions que par le sang de Jésus, tu nous permettras de ressortir vainqueurs de tous les combats auxquels nous aurons à faire face au nom puissant de Jésus le Christ. Alors Père, merci pour chaque âme que tu as mise sous notre responsabilité. Oh Père, nous te supplions, fais au toi qui es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, accomplis cette œuvre parfaite dans le nom de Jésus. Nous sommes au temps de grâce et tu as dit que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Nous prions pour la surabondance de ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour la manifestation de la surabondance de ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que personne ne se perdra au nom puissant de Jésus. Nous prions que ce mois de mai soit le mois où l'autel de prière, l'autel d'adoration, l'autel d'action de grâce sera érigé dans chaque foyer au nom puissant de Jésus. Seigneur, le feu qui sortira de chaque foyer embrasera tous les quartiers dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Pointe-Noire sera en feu à cause de l'autel qui sera érigé dans chaque maison, dans chacune de tes maisons, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que c'est largement possible parce que c'est toi qui l'accomplis par ton esprit. Alors merci, Seigneur. Nous remettons cette action à ta grâce. Nous la couvrons de ton précieux sang dans le nom puissant de Jésus. À toi seul qui as commencé cette œuvre et qui l'accomplira de manière parfaite. À toi seul soit louange, à toi seul soit honneur. Merci pour tout ce qui se fera
durant le mois de mai. Merci pour les 31 jours du mois de mai. Merci pour chaque action, chaque prière. Merci pour chaque déplacement. Merci pour chaque pensée. Nous remettons tout à ta grâce et couvert de ton sang dans le précieux et glorieux nom de Jésus. À toi seul qui es capable de le faire. À toi seul soit louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci, j'avais aussi, merci pour la famille, notre merveilleuse famille du Cameroun qui est également connectée. Seigneur, vraiment merci pour cette onction et pour cette grâce qui se répand sur tous les campus dont nous avons la charge. La même grâce qui coule, Seigneur, à partir de cette maison où nous sommes en train de communiquer la pensée de Dieu. C'est la même grâce qui coule dans tous les foyers de Pointe-Noire, tous les foyers de Dolisie, tous les foyers de Yaoundé, tous les foyers de Douala, dans le nom puissant de Jésus. Même en Afrique du Sud, Seigneur, la même grâce coule, la même faveur coule, la même autorité coule, la même puissance coule, le même règne coule dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes frères. Merci, Seigneur, pour nos frères et pour nos sœurs, dans le nom puissant et glorieux de Jésus le Christ, avec action de grâce. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.